Nouveau planeur Lidl 2024, toujours fait en EPP moulé. Disponible sur le site Lidl. En France, il est commercialisé à 4,99€. Et cette année, le profil a été amélioré. Il est semi-symétrique, ce qui va le rendre, je pense, beaucoup plus intéressant en vol que les précédents. On va réduire le dièdre, voire même le supprimer, en plongeant les extrémités des ailes dans de l'eau bouillante pour venir retravailler le PP tout doucement et lui redonner une forme aplanie. L'envergure à l'origine est de 86 cm et moi je vais la réduire à 72 cm. Donc en partant des extrémités des ailes, j'effectue un tracé à 7 cm de chaque côté. Et je vais effectuer une incision au cutter sur ce tracé. Donc je me retrouve avec une envergure, je le rappelle, de 72 cm. Sur la face interne de l'aile, donc sur le dessous de l'aile, je vais tracer mes ailerons qui vont faire 22 cm de long pour 4 cm de haut. Donc je procède, comme vous le voyez, en faisant 3 tracés à 0,5 cm de distance. Je fais une incision au centre, pas trop profonde dans le PP, et 2 incisions de biais pour venir articuler mon aileron. Enlever l'excédent de mousse et tout doucement je vais articuler les ronds et je procéderai de la même manière de l'autre côté. Notre aile est souple, donc il faut la rigidifier, la solidifier, et pour ce faire, moi j'utilise des plats carbone d'un millimètre d'épaisseur sur 3 mm que je vais positionner en partant du centre à 5 cm du bord d'attaque. J'effectue une incision dans le PP, j'applique de la UU port et je vais venir insérer mon plat carbone. Donc j'applique du plat carbone sur le dessus de l'aile et sur la face interne, donc de l'autre côté. Au niveau du fuselage, j'effectue une découpe comme vous le voyez pour venir retirer la partie avant, que je vais renforcer avec du jonc carbone de 2 mm d'épaisseur. J'effectue une incision sur le côté, j'applique de la UU port et je viens y insérer mon jonc carbone de 2 mm. Je viens placer mes cerveaux, comme vous le voyez, sous le carbone et dans l'axe de mes ailerons. Donc je dessine le contour des cerveaux et je viens creuser la mousse pour les positionner. Je vous recommande d'utiliser des cerveaux métal, à pignon en métal. Ici, ce sont des cerveaux Tower Pro de 12 grammes.
effectue une incision et un petit trou au centre de l'aile pour venir faire passer les fils des cerveaux et les connecteurs. Je vous mettrai en description l'électronique. Ici, on a l'UBEC, les ESC reliés à une XT60. J'ai dessiné et découpé dans de l'EPP des supports pour les moteurs que j'ai fixés sur ces supports en impression 3D. Sachant que sur Thingiverse, vous pouvez trouver des supports déjà imprimés ou télécharger le fichier pour les imprimer vous-même à la maison. Donc mes moteurs, ils sont séparés par 25 cm de distance. Voilà ce que ça donne une fois qu'ils sont collés. Pour la queue de l'avion, je vais utiliser un tube carbone de 8 mm que je vais venir insérer, comme vous voyez, dans un vieux cutter que je vais découper et coller à l'extrémité de l'aile. J'ai creusé mon emplacement pour la batterie et je vais creuser mon emplacement sur le dessus du fuselage pour mon micro-récepteur. Je vais faire passer les fils, la XT60 à l'avant, et je vais venir coller le fuselage tout doucement à la colle chaude. Je vais modifier l'aileron de profondeur, comme vous le voyez, de manière à pouvoir passer mon tube carbone 8 mm. Le tube carbone, au final, il fait une longueur totale de 30 cm. Dont 3 cm sont dans la profondeur. J'insère un cerveau, comme vous le voyez, avec le fil pour venir actionner mon aileron de profondeur. La profondeur, elle est bien dessinée, mais j'ai découpé 1 cm de plus au niveau de l'aileron et j'ai inséré des joncs carbone pour la rigidifier. Et donc ça donne ce résultat. Je vais venir coller le tout par la suite. Un petit bout de PP qui va venir se coller sur le fuselage. Je positionne le tout et je colle le tout. Voilà, c'est collé, donc là ça tient bien. La profondeur a l'air assez rigide. J'ai mon fil de cerveau que je viens faire passer. Donc avec le support en plastique découpé dans un vieux cutter, ça bouge pas. C'est bien rigide, donc on essaie de bien l'aligner de cette manière lors du collage et on a une profondeur qui est quand même bien rigide. Et voilà ce que ça donne.
Pour les cerveaux, alors moi j'utilise tout simplement des chapes en nylon que je vais coller sur du jonc carbone 2 mm. Je colle le tout. Je règle mécaniquement mes cerveaux au neutre. Mes ailerons, pardon, je mets tout au neutre. Voilà, comme ceci. Et puis après, s'il y a besoin, je réglerai les trims en vol et la puissance des cerveaux. Pour le FPV, bah, comme vous voyez, j'ai incorporé dans la canopie un VTX que je vais venir brancher par le biais de la prise d'équilibrage de la lipo. Une micro cam, là on est sur du wax nail, donc je la positionne comme ceci. J'ai fait des petits trous d'aération pour venir aérer bien sûr le VTX. Et toujours le trou fait pour la lipo. J'ai pas encore dessiné de trou pour l'Insta 360, mais il faut en prendre en compte dans le poids pour venir centrer l'avion. Moi, le CG, je le trouve à 5 cm du bord d'attaque. Sachant que pour bien équilibrer l'avion, il faut donc tenir en compte du poids de la lipo, du VTX et de la caméra HD. Donc moi j'embarque 170 grammes à l'avant de l'avion pour avoir un bon centrage. Le voici terminé, donc j'ai juste mis un coup de peinture fluo rose, ce qui n'est pas obligatoire, mais ça le rend un peu plus joli, je trouve. On va aller le tester sur le terrain. Alors, au moment où je tourne la vidéo, j'ai un peu volé avec, j'ai fait deux sessions avec, une en vol à vue et une en FPV. Et les deux se sont très bien passées, ça vole sans problème. Il est bien équilibré, il est capable de voler rapidement, mais aussi lentement. Je pense qu'il est plutôt facile à prendre en main. Moi j'aimais beaucoup le T1 Ranger, pour ceux qui connaissent, qui était réputé aussi pour cette facilité de prise en main. Et la capacité à voler rapidement, à voler doucement, à être un peu freestyle vu son poids et son envergure. Bah là c'est un peu la même chose, en plus solide. Voilà, ce que je n'aimais pas sur le T1 Ranger, c'était le côté fragile de l'avion. Donc là je suis assez content et je trouve que la différence de profil se ressent énormément. Donc c'est plutôt chouette. Donc je vous laisse avec quelques images. Je vous remercie pour avoir visionné la vidéo. Et je vous dis à bientôt.